Salut! Alors, je te montre l'intérieur d'une poignée thermostatique, comment ça marche. Déjà, si c'est la poignée thermostatique, ça c'est le robinet thermostatique. Ok? Donc, ça, la poignée là, si tu vois, t'as un piston qui se tourne, qui avance. Ah, c'est pas bien lumineux. Ouais, puis en plus, cadre mal. Bon, t'as un piston à l'intérieur là, qui avance et qui recule quand tu fais tourner ta vanne. T'as un piston. Et le piston, il va toucher le pointeau là. Tu vois le pointeau là? Donc là, le pointeau, il bouge. Il commence à être grippé celui-là. Et là, donc à l'intérieur, tu as un autre piston. Putain, j'arrive pas à cadrer, moi. Je suis pas speed bien. Alors, ta poignée. Bref, elle fait jouer le piston à l'intérieur, ça va ouvrir, fermer, c'est ce qui va faire passer ton chauffage. Tu vois? Et puis là, après, on va faire un gros désembouage, parce que quand tu vois que tu as plein de merde là sur le radiateur, puis il faudra peut-être mettre un pot à bout sur le retour du chauffage. Voilà. Allez, salut, bonne journée.